Nouveau coup de théâtre dans la campagne des primaires UMP pour les municipales à Lyon. L'ancien maire Michel Noir vient d'apporter son soutien à Georges Fenech. Je suis descendu de ma Croix-Rousse il y a à peu près un mois et je suis venu rencontrer Georges Fenech. Ce que je dis, c'est que je l'ai pensé moi-même et seul. Je n'ai pas besoin qu'on me souffle quoi que ce soit. Donc là, j'ai senti un homme habité par un projet, je dois dire amoureux de cette ville. J'ai apprécié la rigueur, l'altérité. C'est sans doute le profil et le gabarit qu'il faut comme candidat demain à la mairie de Lyon. Du côté de Michel Avard, on voit bien sûr la main de Paris derrière ses ralliements en cascade. Rallier des élus, ça n'est pas rallier des Lyonnais. En 1983, Michel Noir y perd les élections municipales. Que se serait-il passé si son parti politique de l'époque avait dit « Tu as perdu en 1983, tu ne seras pas candidat en 1989 ?» Et je sens se lever dans la ville, devant un tel déploiement, une espèce de résistance lyonnaise. Qui de Georges Fenech ou de Michel Avard affrontera Gérard Collomb ? Au final, ce sont les Lyonnais qui le diront dimanche.